Chers téléspectateurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous avons reçu la recommandation de notre Seigneur d'honorer le sabbat. C'est dans ce cadre-là que nous nous rendons aujourd'hui à l'église L'Arche de l'Éternel à Anvers pour célébrer notre culte dominical. Venez, joignez-vous à nous et ensemble offrons un culte agréable à l'Éternel. Notre Dieu. Et le célèbre et le magnifique. Alléluia. Alléluia. Essayons d'imaginer la chorale céleste en ce moment en train de l'adorer. Essayons d'imaginer leur chant. Essayons d'imaginer leur position. Essayons d'imaginer leur attitude. Essayons d'imaginer dans quel esprit ils adorent le Seigneur. Alléluia. Oublie tes problèmes, mon frère, ma soeur. Oublie ton stress. Oublie tes soucis. Adore-le tout simplement. Car ton problème, il a vaincu à la croix de Golgotha. Ton problème, il l'a entre ses mains. Ton problème, il a déjà la solution. Mais il veut que tu l'adores. Il veut que tu l'adores. C'est l'adoration qui a ouvert la prison de Paul et Silas. C'est l'adoration qui a fait que les murs de Jéricho s'affaissent. C'est l'adoration qui attire la présence de Dieu dans ta vie. C'est l'adoration qui fait que Dieu vienne siéger dans ta vie. Vienne siéger dans ta vie. Et quand il siège dans ta vie, il siège au milieu des problèmes, des situations. Il a le contrôle du ciel et de la terre et de la mer et de tout l'univers. Il connaît chaque étoile par son nom. Il connaît le nombre de tes cheveux sur ta tête. C'est lui qui donne le bouger, c'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui les ferme. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Oh, adore-le. Ton problème n'est pas plus grand que le Seigneur. Ton problème ne dépasse pas le Seigneur. Ton problème n'est pas trop compliqué. Alléluia. Merveilleux. Oh, nous voulons nous joindre à ces anges. Le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Il n'a pas besoin des conseils de l'homme, il n'a pas besoin des conseils des esprits. Lui seul se suffit à lui-même. Lui seul connaît la solution. Alléluia. Il t'a donné le souffle de vie en ce jour, mon frère, ma soeur. Adore-le. Adore-le, ne reste pas insensible dans sa présence. C'est une grâce que tu as reçue.
notre Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Merci, équipe de louanges. Les derniers chants disaient entre autres, c'est un honneur juste de nous tenir devant toi. C'est une grâce, alléluia, que d'être dans la présence de Dieu. C'est un privilège que de le louer. Si nous ne le louons pas, il tirera la louange même de la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Les pierres, les animaux des champs le loueront. C'est pourquoi, oh, mon frère, ma soeur, quand nous sommes dans sa maison, viens pour adorer Dieu, Amen. Pour le louer. Il règne, il règne, il règne. Dis à ton voisin, il règne. Alléluia. Je vous salue tous ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois que beaucoup de personnes commencent à revenir des vacances et nous nous réjouissons de vous avoir encore ce matin. Amen. Amen. Dieu a été avec plusieurs, je ne cite plus les noms parce que de temps en temps, j'oublie certains noms, mais soyez assurés que nous vous avons vus. Et que nous nous réjouissons de la grâce que le Seigneur nous a fait de nous retrouver après un temps où plusieurs étaient partis au loin et le Seigneur nous a tous ramenés au milieu de nous. Amen. Amen. Salut quelqu'un et souhaite-lui un bon dimanche. Dans l'évangile de Luc, évangile de Luc, le chapitre 8, chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 43 jusque le verset 48. Évangile de Luc, chapitre 8, du verset 43 au verset 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec le Seigneur dit, « Maître !» La foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple, pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Le verset 45, le Seigneur commence par poser une question. « Qui m'a touché ?» Au milieu d'une foule dense, nombreuse, il dit « Qui m'a touché ?» Le Seigneur ne dit pas « Qui m'a frôlé ?» Le Seigneur ne dit pas « Qui m'a effleuré ?» Il ne dit pas « Qui a tourné autour de moi ?» Mais « Qui m'a touché ?» Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes pour lesquels il peut dire « Son toucher est spécial. » Quelqu'un n'a pas dit « Amen ?» Amen.
Dieu cherche des hommes et des femmes pour lesquels il peut dire sa foi est sincère. Pour lesquels il peut dire son engagement est profond. Sa soif de la parole de Dieu est réelle. Qui m'a touché? Parce que ce toucher n'a pas été banal. Cette manière d'être touché n'a pas été ordinaire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu cherche de tels hommes et de telles femmes. Ils ne sont pas qu'à tourner autour de Jésus. Ils ne sont pas là qu'à le frôler. Ils ne sont pas là qu'à le pleurer. Ils viennent avec une démarche consciente. Un engagement total de les toucher d'une manière particulière. Alléluia! Est-ce que tu es cet homme? Est-ce que tu es cette femme, mon frère, ma soeur? C'est depuis un certain temps déjà que nous nous entretenons sur ce passage. Quelqu'un va me dire, et le pasteur y revient, et il revient encore. Laissez-moi nous dire ceci. Mieux vaut recevoir une révélation qui est assise dans son cœur et d'en recevoir plusieurs qui ne sont pas plantés véritablement en nous. Amen. C'est pourquoi il nous faut de temps en temps revenir, même si nous avons entendu un passage, revenir sur ce que Dieu veut véritablement faire asseoir dans nos cœurs. Et dans cette histoire, il y a des riches enseignements. Revoyons d'abord au verset 48, le Seigneur a dit à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Amen. Ta foi t'a guérie. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a permis d'avoir la victoire. Ta foi t'a permis de prendre l'envol. Ta foi t'a permis de voir la gloire de Dieu. La Bible dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi, tu peux être sauvé. Voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais de quelle foi s'agit-il? Nous voyons la démarche de cette femme, mes bien-aimés frères et sœurs. Cette femme n'a pas attendu que le Seigneur vienne à elle. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne lui imposer les mains, que Jésus vienne prier pour elle. Non, c'est elle qui est allée vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est elle qui s'est approchée du Seigneur et a touché le bord de son vêtement. C'est ça que moi j'appelle la foi en action, la foi en mouvement, la foi qui est dynamique. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui restent à leur place. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, en ce que Dieu peut faire, mais qui ne se mettent pas en mouvement, mais qui n'agissent pas. Je voudrais vous dire une chose, que la Bible dit d'ailleurs, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu crois dans quelque chose, il y a deux moments, mon bien-aimé, ce n'est pas simplement de croire là où tu es, mais d'agir d'une manière conséquente pour que ce que tu attends du Seigneur, tu puisses l'obtenir. La foi qui guérit n'est pas une foi passive. La foi qui sauve n'est pas une foi attentiste. Cette femme, alléluia, n'a pas attendu. Non, je le répète, la foi qui sauve, cette foi, c'est celle qui pousse l'homme à aller vers Dieu. Amen. Amen. C'est cette foi qui ne te dit pas de rester chez toi à la maison. Elle te pousse à aller chercher Dieu, à l'invoquer, à t'approcher de Dieu. Et parce qu'on croit que le Dieu que l'on invoque est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, avant même d'avoir reçu ce qu'on attend de lui, on commence à confesser sa victoire. Cette femme disait, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia! Avant même d'avoir, de recevoir la guérison, elle a cru en elle-même. Elle a commencé à confesser sa guérison. Elle a commencé à confesser sa victoire. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu as cru, quand tu crois, alléluia, tu commences à confesser ta bénédiction. Beaucoup de gens passent leur temps à s'auto-maudire parce qu'ils disent des choses négatives sur eux-mêmes à longueur des journées. Non, celui qui s'approche de Dieu dans une démarche de foi dynamique, il croit que Dieu va le guérir. Il croit que Dieu va agir en sa faveur. Et parfois même, avant d'avoir vu cela, il commence à confesser et à proclamer sa victoire. Alléluia! Cette femme disait, « Si
si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Le bord de son vêtement, mes frères et sœurs, elle a cherché la guérison auprès des médecins. Elle ne l'a pas trouvée, mais elle a cherché cette guérison auprès de Dieu en s'approchant de lui. Apprenons à nous approcher de Dieu. Apprenons à courir après Dieu. Hello. Il y a des gens qui restent chez eux à la maison. Il y a des gens qui se tapent encore des vacances chez eux à la maison à l'heure de la prière. Où es-tu? Est-ce qu'il y a en toi cette faim et cette soif de dire, je veux chercher Dieu. Je veux courir après lui. C'est auprès de lui seul que nous pouvons trouver ou obtenir ce que le monde ne peut pas nous donner. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. C'est auprès de Dieu seul que nous pouvons obtenir ce que la science ne peut pas nous donner, ce que personne ne peut nous donner. C'est pourquoi dans Ésaïe, au chapitre 55, au verset 6e, la Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Quelqu'un qui comprend a déjà compris qu'il y a des moments, Dieu travaille parfois par saison. Et quand il est là dans une saison, il faut saisir et comprendre comment agir en fonction de cette saison. Cherchez l'Éternel. Pas attendre que l'Éternel vienne à moi. Pas attendre que lui court après moi. C'est moi. C'est moi qui suis dans le besoin. C'est moi qui ai des problèmes. C'est moi qui souffre. Et je dis, je dois chercher ce Dieu. Je dois aller après lui. Alléluia. C'est ce que cette femme a fait. Elle est venue par derrière. Cherchez l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 105. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, pourquoi j'entends pas dire amen ce matin? Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, déclarent les Écritures. Cherchez continuellement la face de Dieu. Si nous le cherchons, nous le trouverons, car il a dit, j'ai des points dits à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Et il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses qui sont cachées. Il faut la foi active. C'est cette foi qui te pousse à te dire, non, je ne dois pas rester là chez moi. Je ne dois pas rester à dormir simplement. Je veux chercher Dieu. Je veux aller dans la présence de Dieu. Je veux aller dans la maison de Dieu. En fait, il y a le zèle de la maison de Dieu qui te dévore. Tu n'es plus là que dans la distraction. Tu dis, il y a un problème dans ma vie. Il y a des problèmes dans ma vie. Je crois que Dieu est capable d'agir. Mais je cours, mais je le cherche. Où es-tu, Éternel? Je veux te trouver. Je veux voir ta face. Je veux voir ta gloire. Tu le cherches et celui qui le cherche le trouve. Combien de temps toi et moi nous investissons à chercher Dieu dans nos vies? Ayons faim et soif de Dieu. Je le disais le vendredi. Vous savez, nous sommes en période de canicule. Parfois, les vieillards meurent. Les vieilles personnes, les personnes âgées meurent de la canicule parce qu'elles n'ont pas la sensation de la soif. On doit les chercher, on doit les appeler, on doit aller leur donner de l'eau parce qu'ils n'ont plus la sensation de la soif. C'est la même chose, vous êtes déjà en train de mourir quand vous n'avez pas la faim et la soif des choses de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Quand les choses de Dieu ne sont plus pour vous une faim, une soif qui vous étreigne, vous êtes en train de mourir spirituellement. Amen. Si on doit toujours venir auprès de vous pour que vous veniez à l'église, crier après vous, vous flatter pour que vous veniez à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous êtes comme un vieillard spirituel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On doit avoir cette faim et cette soif de chercher Dieu. Lui seul, mon frère, ma soeur, peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Peut te donner ce que même tes parents qui t'aiment d'un grand amour ne peuvent pas te donner.
Et pourquoi nous devons chercher l'Éternel, que le cœur de ceux qui le cherchent se réjouisse. Cherchez-le continuellement, cherchez continuellement sa face et nous le trouverons, car il a dit, je me ferai trouver par celui qui me cherche. Alléluia. Approchons-nous de Dieu. La Bible dit dans les livres de Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Hello. Amen. Il suffit parfois que tu aies un petit différend avec un frère à l'église, que tu dis je ne vais plus à l'église. Mes frères et sœurs, est-ce que tu viens ici pour quelqu'un de l'église ou bien simplement parce que tu veux trouver la face de Dieu? Amen. Ah, le pasteur m'a dit ça. Vous vous rappelez de Anne, quand elle venait prier dans la maison de Dieu à Silo, le pasteur, le sacrificateur lui a dit, mais madame, tu es ivre, c'était une insulte, je dirais, n'est-ce pas? Elle a dit, non, mon Seigneur. Non. Quelqu'un d'autre ici allait dire, ah voilà, on m'a insulté, on a dit, je suis un ivrogne, je quitte l'église. Mais bien, mes frères et sœurs, viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu. Parfois, il ne faut pas s'occuper du quand dira-t-on. Cette femme-ci, elle s'était bloquée par les... Qu'est-ce que les gens vont dire? Elle n'allait pas venir de rien pour toucher le bord du vêtement parce qu'elle savait que tout le monde la connaissait, tout le monde connaissait sa situation d'impureté. Mais elle a dit non! Peu importe ce que les gens peuvent dire, les railleries ou les moqueries, il y a ma santé qui est en jeu. Je ne vais pas attendre que le Seigneur vienne à moi. Moi, j'irai le trouver là où il est. J'irai le chercher. J'irai toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux. Ésaïe a dit, venez acheter, même sans argent, venez manger du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est ce qui est arrivé à cette femme. C'est que l'argent ne lui a pas donné, et l'a eu à cause de sa foi. Ce qui lui a coûté la fortune auprès des médecins ne lui a pas valu un sou auprès de notre Dieu. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait auprès des hommes sans avoir la guérison. Mais auprès de Dieu, elle n'a même pas payé un sou. Amen. Un sou. Mes frères et sœurs, vous savez, avoir la santé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il ne faut pas attendre d'être malade pour commencer à glorifier Dieu, pour commencer à prier Dieu. Chaque jour, tu es en bonne santé. Hello. Amen. Tu te dis, Seigneur, merci. 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 C'est pourquoi, comme je le disais vendredi, imagine que tu as été malade pendant 12 ans. La Bible nous dit que cette femme avait dépensé toute sa fortune. Quand tu es en bonne santé, combien d'argent peux-tu amener dans la maison de Dieu? Hello? Amen. Quand nous sommes malades, nous sommes prêts à dépenser des fortunes. Bien sûr qu'il faut dépenser pour sa santé. Mais quand Dieu nous garde en bonne santé, est-ce que vraiment nous ne réalisons pas que c'est une grâce que de venir devant lui pour lui dire, Seigneur, si tu ne m'avais pas gardé en bonne santé, j'aurais dépensé 10 000 euros, 15 000 euros dans les traitements. Mais maintenant, Seigneur, que tu m'as gardé en bonne santé pendant un an, pendant 5 ans, pendant 10 ans, non, je pense à tout ça et je viens t'apporter une offrande qui te glorifie. Pendant 12 ans, au verset 43, la Bible dit que cette femme souffrait d'une hémorragie qui avait duré 12 ans. 12 ans de dépérissement. Vous savez, nous n'avons que quelques 5 à 6 litres de sang dans notre organisme. Quand vous perdez continuellement du sang, c'est le symbole d'une vie qui est en train de s'étioler, de s'en aller. Ça veut dire que vous maigrissez aussi. Vous savez, il y a de ces maladies qui vous affectent pas simplement au niveau intérieur, mais au niveau extérieur. Voir cette femme, on la voyait déjà maigre. Elle avait dépéri. Et à cause de cette maladie, elle était exclue parce qu'elle ne pouvait pas toucher quelqu'un. C'est une personne qui était en perte de sang, était déclarée impure par la loi.
Elle ne pouvait pas toucher quelqu'un d'autre. Elle devait être isolée. Et la Bible nous dit qu'au-delà de toutes ces choses, elle était devenue pauvre parce que toute sa fortune avait été dépensée dans les paiements des traitements médicaux qui n'avaient donné aucun résultat. 12 ans sans guérison. Mais aussi ce que j'admire chez cette femme, 12 ans pendant lesquels elle n'a pas cessé de se battre et de s'investir pour sa santé. Et elle pouvait arrêter. Après un an, elle dit, ça ne vaut plus la peine. Je crois que je suis condamné à mourir avec cette maladie. Je crois que je dois essayer de garder un peu de mon argent parce que le jour de mon enterrement, ça va se passer comment? Ça ne vaut plus la peine. Mais pendant ces 12 ans, elle est allée de médecin à médecin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que pour elle, sa santé était primordiale. Alléluia! Et vous savez pourquoi elle ne s'est pas découragée? Simplement parce qu'au fond de son cœur, la lueur d'espoir de se voir guérie ne s'était jamais éteinte. Elle se disait, oui, ça fait un an, j'ai été auprès de tels spécialistes, je n'ai pas été guéri. Ça fait 5 ans, j'ai été auprès d'un autre, je n'ai pas été guéri. Il y avait toujours en elle la lueur d'espoir qu'un jour, elle serait guérie. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas cessé de se battre, qu'elle n'a pas cessé de chercher sa guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que malgré l'absence des résultats auprès de tous les médecins consultés, malgré l'accumulation des échecs et des déceptions, elle a continué à se battre. Jamais cet espoir ne l'avait quitté au point de la pousser à abandonner, à baisser les bras ou à cesser de se battre. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui valent la peine qu'on investisse dedans. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Elle a dit, pour ma santé, je dois investir. Je dois investir. Et elle savait au fond d'elle-même qu'un jour, malgré toute son histoire, parsemée d'échecs, il y avait cette lueur d'espoir. Il y avait cette lueur d'espoir. Et elle a dépensé toute sa fortune pour trouver la solution à son problème. La santé, mes bien-aimés frères et sœurs. Il y a des choses qui valent la peine, dans lesquelles ça vaut la peine d'investir. Amen. C'est pourquoi pour ta santé, laisse-moi faire une parenthèse. Investis dans ta santé. Amen. Dis un mot, amen. Amen. Laisse-moi nous dire certaines petites choses. Comment tu peux faire toute une année, 2 ans, 3 ans, tu ne fais même pas le contrôle général à médecine tropicale ou auprès de ton médecin. Il y a des gens qui ne peuvent pas investir dans leur santé. Simplement parce que je ne sais pas. Non, mais bien aimé, pour la santé, ça vaut la peine que tu investisses dedans. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui te donne d'être en bonne santé? Un peu d'exercice physique. Va chez Basic Fit. Dis amen. Amen. Mange bien, équilibré. Pas trop gras, pas trop salé, pas de quantité industrielle. À des heures tardives. Aide des temps de repos, aide des temps de sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Garde ton cœur loin des soucis et des inquiétudes. Il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. Investis dans ta santé. N'attends pas de tomber malade pour dépenser toute ta fortune. Tu peux, par des actions simples, éviter de te retrouver. Mais stress, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous savez pourquoi aujourd'hui tout le monde vous dit « Je suis stressé ». Quand j'étais en Afrique, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce mot. Et si tout le monde, je suis stressé. Tu es stressé par rapport à quoi? Et de quoi? Parfois, on ne sait même pas pourquoi on l'est. La pression de la vie, bien sûr, il y a toutes sortes de choses. Mais souvent, je me lève et je dis, il y a un Dieu qui est avec moi. Amen. Il y a un Dieu. Espère en l'Éternel. Investis dans ta santé. Alléluia. Amen. Tu as les moyens de t'acheter un bon steak. Mais tout le temps. Oh, ne m'en voulez pas. Parce que je vois déjà venir quelqu'un. La chiquan. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que j'attaque ceux qui mangent la chiquan. Mais est-ce que vous avez déterminé la valeur nutritive de la chiquan que vous mangez matin, midi, soir, du 1er au 31 janvier? Non.
investissons pour notre santé. Mange la chiffon que tu veux parce que tu me regardes avec un air bizarre. Et alors, investis pour ta santé, mon frère, ma soeur. Mets-toi dans des conditions hygiéniques, des conditions de propriété, un environnement sain. Je reviens d'Afrique et parfois je me dis, certaines maladies tropicales dans nos pays sont victimes. C'est simplement un environnement qui n'est pas propre. Un environnement qui n'est pas propre. On n'a pas investi massivement dans la santé. La santé publique, l'hygiène publique. Et les gens peuvent mourir et parfois des maladies qu'ici on a déjà pratiquement éradiquées, oubliées. J'ai appris qu'un jour, quand tu deviendras président de la République de ton pays, tu comprennes ces choses-là. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Le dynamisme économique d'un pays dépend également de la santé de sa population. Amen. Cette femme a investi dans sa santé. Elle a perdu tout ce qu'elle avait comme argent. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle n'a pas dit « je baisse les bras ». Non, elle a continué à chercher la solution à son problème jusqu'à ce qu'un jour, il l'a trouvé. Il y avait cette lueur d'espoir. Mon frère, ma soeur, quel que soit le temps qui dure ton combat, écoute-moi. Et je sais qu'au milieu de nous, toi comme moi, nous avons des combats, des problèmes qui sont là depuis un an, depuis 5 ans, depuis 10 ans peut-être. Mais laisse-moi te dire ce matin, quel que soit le temps que dure ton combat, ton problème ou ta situation, ne perds pas espoir, car avec les dieux auprès duquel tu cherches la solution, il y aura la solution. Amen. Amen. Cette femme n'a pas perdu espoir auprès des hommes. Elle a dit, le premier médecin va me guérir. Non, le deuxième, non, le troisième, je ne sais pas combien de médecins elle avait consulté. Mais il y avait toujours de l'espoir en elle. Mais toi et moi, oui, nous allons chez les médecins. Je voudrais ici ouvrir aussi une autre parenthèse, mes bien-aimés frères et sœurs. J'entends aujourd'hui des doctrines dans les églises où on dit, quand tu es malade, il ne faut pas aller voir les médecins, il faut simplement prier. Autrement, Jésus l'aurait condamné. Pourquoi as-tu été chez les médecins? Luc n'aurait jamais été médecin. Je voudrais que nous comprenions bien les choses. Dieu ne nous a jamais interdit d'aller chez les médecins. Dieu ne nous a jamais interdit d'aller dans les hôpitaux. Dieu ne nous a jamais interdit même de comparer les diagnostics d'un médecin à un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais nous devons savoir une chose. Le médecin soigne, mais c'est notre Dieu qui guérit. Amen. Lorsque Dieu décide de la guérison, alors tu seras guéri. Amen. Mais Dieu peut utiliser les médecins. Dieu peut utiliser qui il voudra pour te guérir. Amen. Alors ne sombrons pas dans ces doctrines sectaires où on nous dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, il ne faut pas se faire perfuser, transfuser. Non, non, non. La Bible n'est rien. La Bible ne dit pas ce discours-là. Allons voir les médecins, mais Dieu nous guérira. Alléluia. Ayons cet espoir, même si le problème a traîné, le problème dure depuis plusieurs années, garde l'espoir. Que le temps que tu cherches Dieu, tant que tu viens auprès de lui, il dit que le problème du malheureux, non, le malheureux ne sera jamais oublié. Elle cherchait la solution auprès des hommes. Mais toi et moi, notre avantage c'est lequel? C'est que nous cherchons la solution auprès des hommes, mais aussi auprès du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucune incompatibilité. L'homme spirituel te dira, mais comment le pasteur peut-il dire ça? Si nous cherchons la solution, ça doit être auprès de Dieu. J'étais avec Kinshasa, dernièrement quelqu'un m'a dit, dans leur église, quand quelqu'un meurt, la première des choses qu'ils font, c'est de prier pour qu'il ressuscite. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mon frère, la Bible dit, tu as été tiré de la poussière. Amen. Tu rentreras dans la poussière. Amen. Oui, si Dieu te donne la conviction que tu dois prier pour une personne afin de la ressusciter, oui. Mais si ça devient d'une manière mécanique, d'une manière générale, quelqu'un m'entend? Amen. Là, nous ne sommes plus dans la sainte doctrine. Ça veut dire qu'on n'accepte pas la volonté de Dieu.
Cette femme, 12 ans, 12 ans, tu la regardes pas deux fois. Dépérissement total, amaigrissement total, appauvrissement total. Mais elle dit, je vais continuer à chercher la guérison. Hello! Je vais investir dans la santé. La lueur d'espoir était là. Garde espoir. Ton rédempteur s'élèvera un jour. N'arrête pas de te battre. Ne cesse pas d'espérer en Dieu. Quelqu'un pourrait me dire un bon amen. Ton rédempteur auprès duquel tu cherches la solution s'élèvera. Tu le verras. Il te sera favorable. Alors je le répète. Ne perds pas courage. Ne perds pas espoir. La Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste au chapitre 9, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça veut dire que tant que je vis, je peux voir ma situation s'améliorer. Tant que l'Éternel me donne de vivre, je peux m'attendre à lui. Tant que l'Éternel me donne d'avoir les souffles de vie, je peux m'attendre à avoir les changements dans la vie de mes enfants, avoir les changements dans la vie de mes parents, avoir mes parents être sauvés, avoir mes amis venir à Jésus. Tant que je vis, alléluia. Cette femme a dit, je vis encore. J'ai dépéri, oui. J'ai maigri, oui. J'ai perdu ma santé, oui. Mais je suis encore en vie. Je me battrai. L'espoir est en moi. Et elle a été animée de ses sentiments jusqu'à ce que finalement, elle trouve la solution à son problème. Mon frère, ma soeur, aie de l'espoir. Amen, amen. La Bible dit, même un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Job chapitre 14, il dit, même un arbre a de l'espérance. Ce qui nous décourage souvent, c'est lorsque nous regardons le nombre d'années de nos souffrances. Le nombre d'années pendant lesquelles notre problème a duré. Et nous nous disons, non, ça ne changera pas un jour. Le problème, c'est que nous oublions de voir que nous avons encore le souffle de vie. Et tant qu'on vit, il y a de l'espérance. La Bible dit dans le psaume 9e, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Celui qui a de l'espérance, le Seigneur le visitera un jour. Le problème pour lequel ta foi commence à chanceler, le problème pour lequel tu es peut-être déjà abattu, tu as cessé de te battre, reprends courage ce matin. Aie de l'espérance. Continue à te battre. Et l'une des meilleures façons pour toi de te battre, c'est de chercher Dieu. C'est d'invoquer le Seigneur. C'est d'aller vers lui. C'est de t'approcher de lui. Alléluia. Quand nous lisons ce même texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9e, la Bible dit que cette femme se disait, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Ça veut dire quoi? Cette femme n'avait qu'un objectif. Amen. Amen. Elle n'avait qu'un objectif. Lequel? Toucher le bord. Même pas le vêtement. Le bord, c'est-à-dire le roulet. Toucher les bords du vêtement du Seigneur. Et cet objectif-là, vous comprenez ça? Ayant cet objectif dans son esprit, elle a commencé à se poser la question. Comment ferai-je pour atteindre mon objectif? Comment je vais faire? Il y a trop de gens autour de lui. Comment ferai-je avec mon impureté, avec ma réputation? Comment arriverai-je à toucher le bord de son vêtement? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Elle avait un objectif et elle a défini les stratégies qui allaient lui permettre d'atteindre cet objectif. Elle a dit, si je m'approche par devant, les gens vont me voir. Ils vont me rabrouer. Ils vont me chasser. Je vais m'approcher par derrière.
Je vais définir la stratégie qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Et comme l'objectif était de toucher les bords du vêtement du Seigneur, il fallait aussi, même étant dans la proximité immédiate du Seigneur, il fallait qu'elle se baisse, qu'elle se mette carrément à quatre pattes pour toucher les bords du vêtement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la vie, mes frères et sœurs, il faut savoir se fixer des objectifs. Et réfléchir à la manière de les atteindre. Il y a des gens qui vivent sans objectif. Ils vivent au jour le jour. Et puis ils vont te faire sortir. Ah oui, le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Oui, mais c'est le même Dieu qui a dit, faute de révélation, faute de vision, faute de cap, faute de direction, faute d'objectif précis, le peuple s'enfreint. Un objectif. Attendre. Alléluia. Amen. Quand tu as l'objectif, quand cette femme, la vision, le cap, la direction te donne d'éviter la distraction. D'éviter de t'éparpiller dans tous les sens. Quand tu as la vision, l'objectif, le cap, cela t'évite de perdre ton temps à courir dans tous les sens qui ne vont pas. Non, ça te donne de t'organiser. Ça te donne de réfléchir à la manière et aux moyens qu'il faudra déployer pour atteindre ton objectif. Agir avec intelligence. Alléluia. Amen. N'ayant que cet objectif dans son esprit, cette femme ne s'est pas souciée des railleries et des moqueries des gens. Il dit, vous pouvez vous moquer de moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pendant que vous serez en train de dire toutes ces choses, moi j'ai mon objectif présent dans mon esprit. Je m'avancerai pour aller toucher le bord de son vêtement. Pas de distraction. Beaucoup de gens viennent à l'église dans une forme de distraction. Ils sont distraits. Ils sont distraits. Ils viennent à l'église. Ils prient sans objectif précis. Et des objectifs. Amen. Dans la vie de tous les jours, alléluia. Amen. Si tu vois certaines personnes devenir de grands hommes d'affaires, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont allés jeûner, prier, prier, jeûner, jeûner, prier, jeûner, prier, et puis un jour, boum, ils ont des chaînes de magasins. Non, ils avaient un cap. Amen. Ils se sont dit, que dois-je faire pour atteindre ce cap, cet objectif? Ils ont réfléchi à la manière d'arriver à leur but. Et c'est comme ça qu'ils se sont organisés. Cette femme nous enseigne, mes bien-aimés frères et sœurs. Mon objectif, c'est de toucher le bord du vêtement du Seigneur. Alléluia. Amen. Peu importe ce que les gens m'ont dit. Ma stratégie va être laquelle? Je vais m'approcher du Seigneur par derrière. Et je vais toucher l'ourlet de son vêtement. Et elle s'est baissée. Elle a atteint son objectif. Et la Bible nous dit, quand elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, elle a été instantanément guérie. Amen. La victoire. Alléluia. Amen. Quand vous avez fixé un objectif dans la vie, quand vous avez développé une stratégie, quand vous vous êtes donné les moyens d'atteindre cet objectif, vous allez voir, le résultat sera extraordinaire. Amen. Ne vis pas comme ça, sans objectif. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir ou ce que tu veux avoir dans 5 ans, dans 10 ans. Mais simplement, Seigneur de gloire, dans un an, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur nous a donné l'intelligence aussi. De ne pas agir en insensé, de nous fixer de cap. Si tu n'as pas d'objectif, va même dans la prière devant Dieu et dis, Seigneur, éclaire mon intelligence. Quels sont les objectifs qui sont adaptés à ma vie dans les 5 ans, dans les 10 ans? Quels sont les objectifs que je veux poursuivre dans le cadre de mon ministère, de mes activités, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Seigneur, et tu pries pour que Dieu te donne les connexions, Dieu illumine ton intelligence, qu'il te donne de t'organiser. Quand tu mettras toutes ces choses en œuvre, alléluia! Tu verras la gloire de Dieu. La gloire ne tombera pas simplement comme la manne du ciel.
La victoire ne viendra pas uniquement parce que tu jeûnes et tu pries. Et j'aime que l'on jeûne et j'aime que l'on prie. Il y a aussi l'action. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Elle a dit, je vais toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Mais quand il s'approchait de Jésus, la Bible nous dit que c'était quoi l'objectif? Le bord, n'est-ce pas? Et comme nous avons dit, pour toucher le bord, il fallait qu'elle s'abaisse. Il fallait qu'elle se courbe. Il fallait même qu'elle soit à quatre pattes. Et l'eau. Et l'eau. C'était un grand secret. Amen. Amen. Cette attitude-là, c'est une attitude d'humilité. Amen. Dis à ton voisin, humilité. Humilité. S'approcher de Dieu demande de l'humilité. Amen. Ça va? Ça va? Amen. Quand nous venons à Dieu, quand nous venons prier, nous sommes dans la foi, nous sommes à l'église. Mes frères et sœurs, c'est une manière pour nous de nous approcher de Dieu. Amen. S'approcher de Dieu demande de l'humilité. Amen. La Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Je nous en prie. Combien de chrétiens dans les églises, toi et moi, vivent dans la vanité, dans l'arrogance, dans l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles, aux gens qui savent s'humilier. Tu auras beau venir crier ici, demander tout ce que tu veux obtenir de la part du Seigneur, mais tu es orgueilleux, tu es arrogant. C'est une attitude qui peut bloquer ta bénédiction. Amen. Marche dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. La femme a dit, non, ce n'est pas en étant debout que je vais toucher le bord de son vêtement. Non, 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 non. Rien à faire. Pour arriver à toucher le bord, il a fallu qu'elle s'abaisse. L'orgueil peut nous faire rater les bénédictions de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de Naaman? Il quitte son pays, la Syrie. Il souffrait de la lèpre. Et il vient voir le prophète. Et il dit, je suis certain, quand j'arriverai, il sortira devant moi. Il agitera la main à gauche, moi je serai sur mon char. Il agitera la main à droite, moi je serai dans mes habits de général 4 étoiles. Il prononcera une prière et je serai guéri. Élisée d'abord ne sort même pas de la maison. Et il dit, allez dire à ce monsieur qu'il descende de sa belle voiture, de son char, qu'il aille enlever sa tenue générale 4 étoiles et qu'il plonge dans les eaux boueuses du Jourdain. Naaman, par orgueil, dit quoi? Moi, ce type ne sait pas qui je suis. Vous savez, l'orgueil commence par tu ne sais pas qui je suis. Et dis-moi, descendre de mon char, enlever cette tenue dans laquelle des gens me respectent et qui cachent la lèpre et aller dans les eaux du... Non, 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 il y a la maman, il y a le papa chez moi, ce sont des eaux cristallines. Alors il dit à sa délégation, rentrons en Syrie. Un de ses officiers lui vient dit, papa, papa, est-ce que l'homme de Dieu t'a demandé quelque chose de trop compliqué? Va entrer dans les eaux. Tu es venu ici chercher la guérison. Va entrer dans les eaux du Jourdain. Mets ton orgueil de côté. Monsieur se résout à entendre le conseil de cet officier. Je vois qu'il allait en colère. Hein, en disant, on va voir. Si vraiment je ne guéris pas, ce type saura que je suis un général 4 étoiles. La Syrie peut même faire la guerre à Israël. Il va dans les eaux du Jourdain Hello? Amen. Il plonge une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il sorte de là. Boum! La peau devenue saine comme la peau d'un bébé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'était humilié, il s'était abaissé. Amen. Cette femme s'était abaissée pour toucher les bords du vêtement du Seigneur. Mes frères et sœurs, l'orgueil. Nous nous comportons souvent en orgueilleux pour rien, alors qu'on n'a rien et qu'on n'est rien. On n'a rien, on est orgueilleux.
L'orgueilleux croit tout savoir, tout connaître. Il se considère supérieur et meilleur que tous les autres. Hello. Amen. L'orgueilleux ne demande jamais pardon, même quand il a mal agi. D'ailleurs, il ne peut pas agir mal. Vous devez demander pardon à sa place. Vous devez vous excuser à sa place. Ce sont des traits d'orgueil. Quand tu as mal agi, reconnais que tu as mal agi. Hello. Amen. L'orgueilleux n'écoute jamais les conseils des autres. Il n'accepte ni reproche, ni correction, ni réprimande, même là où il a tort, encore qu'il n'a jamais tort. Et puis quand il vient devant Dieu, alléluia éternel, oh Dieu agit, Dieu lui dit, mais tu es sur tes quatre chevaux, mon frère. Va d'abord t'abaisser. L'orgueilleux regarde les autres toujours avec mépris, avec dédain. Hello. Amen. Il cherche tous les moyens pour impressionner les autres, même s'il doit vivre au-dessus de ses moyens. Amen. Il doit paraître. C'est de l'orgueil, mon frère. Sois simple. Amen. Sois humble. Amen. La femme a dit, il faut que je m'abaisse. Il faut que je touche le bord de son vêtement. Vous savez, l'orgueilleux est souvent comme un tonneau vide. Et les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Et Dieu ne peut pas élever de telles personnes. Dans Michée au chapitre 8, la Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dis Amen. Amen. Et dis, monsieur, madame, on t'a fait connaître les attitudes que Dieu attend de toi pour qu'il t'élève. Et dis, c'est quoi? C'est que tu pratiques la justice. Amen. Amen. Que tu sois juste. C'est que tu aimes la miséricorde. Que tu aies aussi pitié des autres. Et c'est qu'aussi tu marches avec humilité devant ton Dieu. Souvent, quand nous sommes ici, il y a moyen de voir facilement les orgueilleux, les arrogants. Hello. Amen. Il est là. Hein? Il est le champion. Il sait tout. Il connaît tout. Il est sur un cheval. Sur un pied de sel élevé. Mon frère, ma soeur, l'humilité te permettra toujours d'être élevé par Dieu. Amen, amen. Le problème avec nous autres, hein, quelqu'un m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. Il me dit, nous les Africains, quand quelqu'un est très humble et simple, on abuse, on croit que c'est de la faiblesse. Il dit, pasteur, vous voulez qu'on vous respecte? Quand quelqu'un te demande rendez-vous, donnez-lui rendez-vous dans un an. Tu es inaccessible, alors il va te respecter. Et si tu lui donnes rendez-vous le même jour, il commence à croire que tu es comme lui, que tu n'es pas son pasteur. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Je vais commencer à donner des rendez-vous dans 5 ans. Hello. L'humilité, la simplicité. C'est pas une faiblesse, c'est pas de la faiblesse. C'est pour que Dieu m'élève. Tu peux sortir me critiquer, me calomnier à cause de ma simplicité. Et de mon humilité, Dieu m'élèvera. Amen. Qui gagne et qui perd? Tu perds et moi je gagne. Amen. Cet homme a dit, je vais m'abaisser. L'amour accompli la leçon, il dit, je ne peux pas rester sur mon char. Je ne peux pas garder ma tenue 4 étoiles. Je dois aller dans les eaux boueuses. Je dois me plonger là-dedans. Alléluia. Amen. Après 10 ans passés dans le pays de Moab, Naomi est rentrée avec sa belle-fille Ruth. La pauvreté, la misère. Et Ruth de dire à sa belle-mère, laisse-moi aller glaner dans les champs de celui auprès duquel j'ai trouvé les grâces. Amen. Vous savez ce que ça veut dire que glaner? Oui. Glaner, ça veut dire se mettre à genoux et ramasser graine par graine après que les moissonneurs soient passés. Vous ne pouvez pas rester debout et commencer à glaner. Ça veut dire que pour avoir un panier de grains
de blé. Il a fallu travailler du matin jusqu'au soir. À genoux ou assis, par terre. Mais quand Boaz a vu cette femme travaillant du matin au soir, assise par terre, oh, c'était le commencement de l'élévation dans la vie de Naomi, de Ruth. Quand tu t'abaisses, Dieu t'élèvera. Cesse d'être orgueilleux pour lui. Hello. Qu'est-ce que tu as au fait? Qu'est-ce que j'ai au fait? Dès que tu as une petite voiture là, tu es comme ça. C'est zéro, c'est rien tout ça. Amen. Amen. Moi, je reviens d'un pays où on dit qu'il y a la misère et la faim et tout. J'ai vu des voitures dans ces pays et je n'ai jamais vu ici. Amen. Jamais. Jamais. Hello. Amen. Hein, moi, je, mon frère, ma soeur. Soyons humbles. Amen. Vivons dans l'humilité. Et Dieu nous élèvera. Amen. Amen. Revenons à notre texte, verset 44, qui est d'ailleurs le thème de notre message. Jésus dit, après que la femme l'ait touché, Jésus dit, qui m'a touché? Jésus pose la question à ses disciples. Qui m'a touché? Ses disciples lui disent, mais maître, dans notre verset, on dit, Jésus a dit, et les disciples ont dit au Seigneur, voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Tu ne vois pas, il y a tellement de gens autour de toi. Il y a une foule dense qui t'entoure et te presse. Comment peux-tu poser pareille question, Seigneur? Alléluia. Le Seigneur leur a dit, vous n'avez rien compris. Il y a quelqu'un dans cette foule qui m'a touché. Hello. Il y a quelqu'un dans cette foule qui m'a touché. Il ne m'a touché pas comme les autres. Son toucher n'a pas été banal. Son toucher n'a pas été ordinaire. Son toucher n'a pas été anodin. Son toucher n'a pas été superficiel. Le Seigneur a dit, oui, beaucoup de gens m'ont frôlé, beaucoup de gens m'ont pressé, beaucoup de gens m'ont effleuré, mais il y en a un dont le toucher a libéré de ma part une puissance qui lui a permis de la guérir. Amen. 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 Et il y en a un dont le toucher n'a pas été ordinaire. Et quand il m'a touché, une onction, une puissance est sortie de moi en sa faveur. Il y a une personne dont le toucher est un toucher de foi, était une démarche de foi, dont le toucher était un toucher plein d'assurance, des convictions, un toucher différent de tous les autres qui ont été autour de moi. Je voudrais dire à quelqu'un, alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin dans cette église. Amen. Amen. Tu peux te distinguer de tous amen, les autres. Amen. Dans ta relation avec le Seigneur, amen. Tu peux te distinguer de tous les autres. Amen. Tu n'es plus là pour suivre ce que tout le monde fait. Amen. Tout le monde est tourné. Tout le monde frôlait un peu le Seigneur. Mais cette femme, ce n'était pas frôlée. Ce n'était pas juste comme ça. C'était une démarche résolue de foi. Amen. Les gens viennent dans les églises. Ils s'assoient. Ils comblent un temps. L'avant-midi. Peut-être parce qu'ils n'ont rien à faire. Et puis ils repartent comme ils sont venus. Je ne veux pas venir dans la présence de Dieu. Comme ça, dans une démarche superficielle, je viens et je me dis, aujourd'hui, je veux disposer mon cœur, je vais toucher le cœur de Dieu en amenant mon cœur vers son cœur. Aujourd'hui, je veux ressortir béni, instruit, enseigné. Amen. Jésus dit, qui m'a touché? Vous savez, vous croyez que Jésus ne savait pas. Je vous donnerai dimanche prochain les raisons de cette question. Qui m'a touché? Seigneur, mais les gens, il y en a beaucoup autour de toi. Beaucoup de gens ont frôlé Jésus. Ils ont touché Jésus. Même des gens qui étaient malades l'ont frôlé, l'ont touché. Aucun d'eux n'avait reçu
reçu la guérison, sauf cette femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une différence dans la démarche, dans la motivation. Qu'est-ce qui l'a animé à venir auprès du Seigneur jusqu'à s'abaisser? Jésus a vu toutes ces choses, il a dit non. La puissance est sortie de lui pour guérir cette femme. Tu peux te distinguer dans ta relation avec le Seigneur de tous ceux de l'église ici. Amen. Et de moment, il faut dire, Seigneur, je veux être le seul. Si ce matin, il y a juste une seule personne qui doit être au bénéfice de l'onction, de ton onction de guérison, c'est moi. Amen. Ça peut paraître égoïste. C'est pourquoi je ne veux pas venir à l'église comme par formalité. Je ne veux pas venir à l'église avec un costume d'orgueil. Je viens devant Dieu. Hello. Amen. Je voudrais dire aux gens, il y aura des moments où j'étais heurté dans l'église ici. Mais si j'étais heurté pour des choses qui sont justes et bonnes, reste calme. Amen. Reste calme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. L'humilité. Qui m'a touché, a dit le Seigneur. Qui m'a touché? Seigneur, il y a des gens, beaucoup de gens qui t'ont touché. Jésus, il dit non. Il y en a une. Son touché est un touché de foi. Elle s'est distinguée de tous les autres qui étaient autour de moi. Je voudrais dire à quelqu'un encore une fois de plus, tu peux te distinguer de toutes les autres personnes qui sont venues ce matin dans la présence de Dieu. Tu peux te distinguer de la multitude par ta manière d'être, par ta manière d'agir, par ta manière de te comporter, par ta manière de t'approcher de Dieu, par ta manière de recevoir la parole de Dieu, par ta manière de recevoir la révélation, par ta manière d'adorer Dieu, par ta manière de donner à Dieu, par ta manière de te tenir devant lui dans une position de foi. Amen, amen, amen. Tu peux te distinguer. Jésus a dit, beaucoup m'ont touché. Mais ce toucher-là était spécial. Amen. Alléluia. Amen. Ce toucher-là était différent. Mon frère, ma soeur, tu peux toucher Jésus différemment de tous ceux qui sont dans cette église. T'approcher de lui différemment. C'est pourquoi suivre. Ah, dans les églises, oh Seigneur, il y a des gens qui n'ont rien compris. Il y a quelqu'un qui est dans la distraction, qui s'approche du Seigneur d'une manière, je dirais, aléatoire. Et puis il te dit, hein, tu vois, et comment ça t'influence? Il dit, lui, laisse-moi faire. Si tu es dans l'aléatoire, si tu es dans les bizetis, dans le frou-frou, laisse-moi. Laisse-moi. Je veux m'approcher du Seigneur d'une manière telle qu'il dise. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Il y a quelqu'un qui s'approche de moi dans cette église différemment. Il y a quelqu'un, quand il se met à m'adorer, c'est différemment des autres. Qui m'a touché, a dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu peux être le seul. Tu peux être la seule personne à être au bénéfice de la puissance de guérison, à être au bénéfice de la puissance d'élévation, à être au bénéfice de la puissance de bénédiction du Seigneur. Parce que tu ne t'approches pas de Dieu par lassitude, par habitude, par routine, par formalité. Tu ne t'approches pas de Dieu d'une manière mécanique, superficielle, pas avec désinvolture, pas avec légèreté, mais tu t'approches de Dieu dans une démarche de foi sincère. Tu t'approches de Dieu d'une manière sérieuse, d'une manière profonde, d'une manière convaincue qu'il est Dieu. Prends la décision de dire non, je veux m'approcher différemment. Amen. Ne m'empêche pas de prier, mon frère. Si tu estimes que je prie trop, c'est ton problème. Je veux prier différemment. Amen. Je veux croire en Dieu différemment. Si je dois le louer, laisse-moi le louer. Si je dois l'adorer en étant assis par terre, laisse-moi l'adorer.
Nous nous venons et nous regardons ce que l'autre fait pour que moi aussi je fasse. C'est une relation personnelle. Parfois on vit en fonction de l'humeur de quelqu'un. Moi je quitte l'église. Hein? Toi tu es mon ami et je le suis. Je ne te suivrai pas, mon frère. Je ne te suivrai pas. C'est une question personnelle. Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Il y a qui me dit amen. Amen. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens viennent à l'église. Ils viennent à la prière. Ils viennent au Seigneur sans zèle, sans assurance, sans enthousiasme. Le voient, il vient. Il s'assoit. Il regarde un tel. Il s'étonne comment il peut être content comme ça. Il ne comprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient à l'église. D'abord, il vient quand il veut. Quand il veut. Il n'a pas d'heure fixe. Le début du culte ne l'intéresse pas. Il vient quand il veut. Les gens du protocole lui montrent une place, ils regardent d'abord la personne pour dire, si tu crois que j'irai là-bas, ça te regarde. Il va y aller. Il s'assoit. Pendant qu'on loue, on adore, on chante. Lui, de temps en temps, et il tape un peu. Je parle à quelqu'un. Pendant ce temps, son esprit est dans le repas qu'il va manger l'après-midi. Ça va être quoi? Entre le foumoi et le sursaut. Il est là, il est distrait. En plein culte, dites un mot amen. Amen. Beaucoup de gens viennent sans conviction, sans attente profonde de la part de Dieu. Résultat, ils ne reçoivent rien. Quand tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu avec sérieux. Dis un mot amen. Amen. Et approche-toi de Dieu avec une ferme assurance qui va agir dans ta vie. Les boiteux qui étaient à la porte du temple, la Bible dit, ils regardaient Pierre et Jean s'attendant à recevoir quelque chose. Il était sûr de recevoir quelque chose. C'est comme ça qu'ils lui ont dit, lève-toi. Quand nous venons comme ça, distraitement, on arrive à l'église quand on veut. Même le service d'ordre te dit, assis-toi ici, tu regardes cette personne avec un air massacreur, un air assassin. Si ton regard était des balles, des revolvers, on appellerait la police pour prendre le cadavre. Je parle à quelqu'un. Amen. Mes frères et sœurs, approchons-nous de Dieu comme cette femme, avec assurance et avec humilité. Amen. 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 Attends-toi à Dieu. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Crois. Comme cette femme, si je touche le bord qui est son vêtement, je serai guéri. Cesse d'être le sorcier de ta propre vie. Amen. Moi, je n'arriverai jamais nulle part. Ma maladie là, ça fait 20 ans. Ma maladie là, mes problèmes là, si tu dis tout le temps, tu confesses tes problèmes, ta maladie, ça restera tes problèmes, ça restera ta maladie. Amen. Proclame la parole de Dieu. Amen. Je souffre, mais l'Éternel me guérira. Amen. Je vis, mais l'Éternel me relèvera. Amen. Je suis par terre, mais je rebondirai, parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Qui m'a touché? Seigneur, mais il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi, qui t'ont touché. Jésus dit, non, il y en a un qui m'a touché différemment. Parce que j'ai senti une force, une puissance sortir de moi. Vous savez, la réponse des disciples, écoutez-moi bien, la réponse de Pierre et de ses compagnons démontre une chose. C'est que eux n'avaient pas remarqué la présence de cette femme-là. Mais Jésus a senti cette présence. Jésus a remarqué la présence de cette femme.
Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu feras que d'autres ne remarqueront jamais. Les dieux les voient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand les gens ne te voient pas dans ta souffrance, il y a un Dieu qui voit ta souffrance. Amen. Tu te trouveras dans des endroits où tu n'as jamais pensé être là. Où les gens n'ont même pas pensé que tu serais là. Ils ont dit non, 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 non. Ils n'ont jamais pensé que cette femme pouvait être là, juste à côté de Jésus. Vous voyez parfois la prétention. Il n'y a que moi, le disciple, l'apôtre. Il n'y a que nous qui pouvons nous retrouver auprès du... Oh, oh, dans la proximité du Seigneur. Il y avait une femme impure. Amen. 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 L'arrogance et l'orgueil te rendent aveugle aussi. Oui. Tu ne verras jamais les qualités Amen. Qui sont dans les personnes que tu méprises. Seigneur, il n'y a personne. Il y a beaucoup de gens qui te touchent. La femme était là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La femme était là. Jésus dit, qui m'a touché? Qui est celui-là dont le cœur a touché mon cœur? Qui est celui-là dont le toucher a libéré de moi la puissance? Frères et sœurs, ne soyons pas juste que des gens qui tournent autour de Jésus. Ne soyons pas juste des gens qui frôlent, qui effleurent Jésus ou qui tournent autour de lui. Touchons-le Amen. Comme cette femme. Amen. Je continuerai le message dimanche prochain. Cette femme est venue vers Jésus, toute tremblante. La Bible nous dit, elle a expliqué pourquoi et comment. Je reviendrai sur ça. Mais pour aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un puisse comprendre ceci. N'oublie pas ceci, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la complexité de ton problème ou de tes problèmes, quel que soit le nombre d'années que tu endures la situation, sache, avec Dieu, il y a toujours une solution. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est de ne pas perdre espoir. C'est d'avoir de l'espérance. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est celui qui nous donne plus que ce que nous demandons. C'est pour cela que ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, cette femme a été dans la galère pendant 12 ans. Mais le Dieu que je te prêche ce matin, il n'a même pas fait de prière sur elle. Elle-même, dans une démarche de foi active, elle a touché, elle s'est humiliée, elle s'est approchée, elle a touché le bord du vêtement et elle a été guérie. Alors ne baisse pas les bras. Continue à chercher ce Dieu. Espère en lui. Crois en lui. Peu importe le temps qui passe. Cherche-le continuellement. Ne t'éloigne pas de lui. Et de temps en temps, lève-toi et commence à confesser ta guérison. Lève-toi et commence à confesser ta victoire. Lève-toi et commence à confesser ta délivrance. Parce que tu crois, alors tu annonces ta guérison. Parce que tu crois dans ce qu'il peut faire, alors lève-toi et proclame que tu es plus que vainqueur. Et tu le vivras. Elle a dit, je serai guéri. Avant même de recevoir la guérison. Amen. 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 Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est venue, elle a touché le bord. Oh, tout d'un coup, au même instant, moi j'appelle ça pas l'onction d'accélération, l'onction du subito. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Il y aura des jours, des choses ne se feront pas par étapes dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il y a des jours, les choses ne se feront plus par étapes. Vous savez, dans la vie, beaucoup de choses se déroulent ou se font par étapes successives. Quand vous plantez une graine, la graine doit germer, pousser, les fleurs, les fruits. Mais il y a des moments, Dieu fera les choses subitement. Amen. Au même instant. Amen. Ça, tu entres dans ce que moi j'appelle l'onction du subito. Amen. Tu touches et tu sens toi-même. Il n'y a que deux personnes ces jours-là qui avaient senti ce qui s'était passé. C'était le Seigneur et la femme elle-même. Vous vous imaginez, même les gens qui aurait pu avoir sur elle un regard de mépris. Non,
Et ils se sont approchés pour entendre le pourquoi et le comment de sa guérison. Ce jour-là, la foi de cette femme a boosté la foi des autres. Les témoignages de cette femme qui s'était battue, qui n'avait pas voulu baisser les bras, qui ne s'était pas découragée, alléluia, a trouvé son couronnement. Il y aura un jour, mon frère, ma soeur. Tes efforts ne seront jamais vains. Les années que tu as investies pour prier en faveur de ton père ou de ta mère pour qu'il soit sauvé, un jour quelqu'un viendra simplement devant toi avec un seul mot et diront: nous acceptons Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Un jour, le médecin qui t'a dit: madame, ce traitement va prendre 6 ans et puis tu vas voir la maladie s'est résorbée petit à petit. Un jour, ce ne sera plus 6 ans, ce ne sera plus 5 ans, ce ne sera plus 2 ans, ce sera subitement. C'est le chant que Dieu vous bénisse. Qui m'a touché? Le Seigneur peut-il dire pareille chose en ce qui te concerne? Quelle est la nature de ta relation avec Dieu quand tu viens devant lui? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que c'est par routine, par habitude? Parce qu'il faut combler le temps de dimanche. Est-ce que c'est parce que tu dois mettre ton tailleur du dimanche que tu viens enseigner? Ou bien parce que. Non, 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 tu t'approches de lui dans une démarche sincère. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché de ce toucher spécial? Il m'a touché par sa foi sincère. Qui m'a touché par son engagement profond, par sa faim et sa soif de la présence et de la parole de Dieu? Qui m'a touché? Es-tu cet homme? Es-tu cette femme? Ce matin, c'est la première question que Dieu nous pose. Quand tu t'approches de moi, quel est ton état d'esprit? Quelle est ton motivation? Quand tu t'approches de moi, quand tu viens dans ma prison, quand tu viens à l'église, peut-être y a-t-il ici des hommes et des femmes ce matin qui veulent dire: Seigneur, même dans la foule, je veux me distinguer. Je veux me distinguer même dans la foule. Qu'il y ait 10, 15, 20, 100, 200, 300, s'il y a quelque chose, Seigneur, qui puisse me distinguer de la foule et de tous les autres, je veux que tu m'aides à être cette personne-là. À être cette personne-là. Si c'est ton désir, là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi pour prier. Je veux être l'exception. Merci pour votre attention ainsi que votre participation au culte de ce dimanche. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Pour ma part, moi, j'ai choisi de venir à l'église avec détermination. Parce que moi, je voudrais, j'espère que c'est aussi votre cas, je voudrais un jour ou tous les jours de ma vie arriver à toucher le pan de la robe de notre Seigneur Jésus-Christ afin de me différencier dans la masse. Ainsi, le monde verra la différence. Je voudrais qu'un jour que le Seigneur dise: qui m'a touché au milieu de la foule, que je ne puisse pas frôler notre Seigneur Jésus-Christ, mais que je le touche de façon à libérer une puissance de la part du Seigneur qui transforme toute ma situation, toute ma condition. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Au revoir.